De acuerdo, se nos ha agotado. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, ici à l'Estadio de Mendizorroza pour cette nouvelle rencontre que nous allons suivre ensemble. Laissez-moi Hervé Matou qui va commenter ce match, essayer de m'épater comme souvent. Bon, aujourd'hui c'est le championnat espagnol qui reprend ses droits avec cette affiche de la première journée de la Liga Santander, Alavés contre le Real Madrid. C'est un moment bien sûr d'excitation, la reprise du championnat, tout le monde est plein d'espoir. Non, elle a été interceptée cette passe. Ça n'ira pas plus loin. Récupération de Toni Kroos. Il peut y avoir danger et sur cette attaque. Et le but! Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. Voilà le score qui est donc ouvert, 1-0. Il a gagné son duel, attention. Oui, le centre peut-être. Et c'est dévié, dommage pour lui, son tir semblait cadré. Casemiro qui perd finalement ce ballon. Attention, le tacle. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Il faut qu'il centre là. Ce ballon qui est sorti. Bon pressing du défenseur. Le duel pour la récupération du ballon. Thomas Pina. Gonzalo Escalante. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. La passe interceptée de Karim Benzema. Rodrigo. Et c'est renvoyé par le poteau. Benzema. Oh, heureusement qu'il était là. Ouais, après un bon pressing, eh bien, il retrouve la possession du ballon. Le Real Madrid qui s'approche du but. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Mauvaise relance. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Bon, ça c'est un bon ballon. Allez, prends sa chance. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Ce sera donc un corner. Ouais, la meilleure solution c'était de dégager. Il a eu raison. Pas simple pour l'équipe visiteuse qui a vraiment du mal à mettre le pied sur le ballon. Et ce qui compte, c'est d'être capable de se créer des occasions nettes et de les concrétiser. Et c'est vrai qu'à ce jeu-là, cette équipe s'est vraiment montrée redoutable. Gonzalo Escalante. Vinicius Junior. Carvajal, l'arbitre qui laisse l'avantage au Real.
Procello. Oh, magnifique cette passe. Et ce ballon qui est récupéré. Ouais, l'avantage ne lui a pas profité, mais l'arbitre revient à la faute. C'est bien. Toujours Karim Benzema. Ouais, l'intervention, là, le tacle glissé. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu. C'est donc la reprise avec le Real Madrid qui mène au score. Thomas Pina. Procello. On cherche une solution. Ouais, la frappe. Ouais, Thibaut Courtois est là. Alors ce n'est plus une rumeur, Manchester United s'est bel et bien renforcé. Ça c'est un joueur qui devrait quand même beaucoup apporter sur le terrain, dans le vestiaire également. C'est parti des joueurs qui comptent dans un vestiaire. Ça fait un petit moment que les émissaires du club le suivaient. Voilà, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ah et non, finalement ce ballon est rendu à l'adversaire. Tacle et ce ballon qui sort en touche. Et ça s'est donné comme il faut. Le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Edgar Mendes. L'espace et c'est rendu direct à l'adversaire. Ouais, c'est moyen, quoi. C'est pas mal, mais il peut faire mieux. Allez, peut-être une belle occasion pour Benzema. Ah, bien joué, super barré. Edgar Mendes, Casemiro qui vient au contact. La passe interceptée de Karim Benzema. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ouais, le contre en restera là. Ils ont perdu le ballon. Bonne anticipation sur cette passe. Ouais, ça passe. Ça passe pour Karim Benzema. Et le but! Encore un! Et l'écart au tableau d'affichage qui s'élargit encore. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant. 2-0. Et touche pour le Real. Il a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Un coup franc accordé par l'arbitre au Real Madrid. Il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour... La frappe et le but! Oh, la frappe lointaine qui termine au fond des filets! Madrid. 3-0, ils prennent le large. Intervention défensive, ouais, le tacle. Vinicius Junior. Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Et on arrive dans les 8 du temps réglementaire. Et bien l'intervention, changement de possession. Oh, il a de la place devant lui. Et le but! Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant.
Karim Benzema qui élimine son adversaire. Oh, ballon de but là pour Karim Benzema. Oh, but du Real. Il y a vraiment de suspense dans ce match, évidemment. Ouais, elle gagne son duel et récupère le ballon. Le quatrième arbitre lève son panneau. Une minute de temps additionnel. L'arbitre qui siffle à l'instant même la fin de ce match remporté par le Real Madrid. C'est ce qu'on appelle des débuts réussis. Hein. Équipe qui a trouvé ses marques. Salut à tous, on est à quelques instants du coup d'envoi ici à l'Estadio Ciutat de Valencia avec bien sûr avec vous Hervé Matou. Direction l'Espagne aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander. Levante affronte le Real Madrid. J'espère que la partie d'aujourd'hui va nous offrir du beau jeu comme on l'aime. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Ouais, la récupération est peut-être une action dangereuse. Pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Campagna. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. C'est ouvert hein, devant Rodrigo. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Morales. Karim Benzema, l'un des attaquants vedettes en ce moment. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Benzema. Le Real Madrid qui s'approche du but et ce ballon qui est perdu. Ah, il attendait sans doute la passe plus tôt. Allez, il peut prendre l'espace. Et le but. Le but signé Karim Benzema. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Ouais, Willem passe directement à l'adversaire. Il se présente face au gardien. Et finalement, l'arbitre signale un hors-jeu. Et ils sont à la récupération. Il s'avance vers la surface.
Il gagne son duel. Quelle occasion manquée. Ah, c'est bête, hein, ça aurait complètement relancé ce match. Luka Modric. On cherche des solutions là. Le centre à destination de ses partenaires. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Ça, ça peut devenir dangereux. Karim Benzema. Et le but! Le but signé Karim Benzema! Là, ça fait maintenant du coup d'écart. Hein. 2-0 au tableau d'affichage. Intervention tranchante, hein, c'est une récupération. Il faut qu'il centre là. Et le centre bien négocié par le gardien. C'est l'équipe locale, hein, qui monopolise un petit peu le ballon. Bon, maintenant, il va falloir songer à se créer de vraies occasions. Sinon, le score ne bougera pas. Ah oui, il est passé, Karim Benzema. Allez, le ballon qui est dégagé. Oh, c'est pas bien. Et il marque. Et malgré la pression défensive, eh bien, il a fait le geste qu'il faut. Et c'est au fond. On va voir tout ça. Il élimine bien son adversaire direct. Le buteur qui va au bout de son action, malgré un bon retour de la défense. Alors c'est la mi-temps, mais on connaît déjà le résultat final, le vainqueur en tout cas de ce match. Ah, ils vont avoir une super occasion de marquer après cette faute. Très bon coup franc. Oh, le ballon dangereux. Ah, il aurait dû retarder son appel. Et il n'y aura qu'une minute, hein, de temps additionnel à jouer. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu. Mi-temps donc ici avec. C'est donc la reprise avec le Real Madrid qui mène au score. Interception sur cette passe de Marcelo. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. La passe de Toni Kroos, interceptée. Ouais, le club de West Ham qui a réussi à décrocher le joueur que beaucoup d'autres clubs convoitaient. C'est désormais officiel. Là, c'est son troisième aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Ouais, ça fait 4-0 maintenant. L'addition commence à être lourde. Campagna. Il a piqué son ballon. Dans la surface, il y a du monde. Le ballon qui est boxé par Thibaut Courtois sur ce centre. Récupéré dans le camp de l'adversaire. Oh, c'est bien donné ça. Karim Benzema, le but. Contre-attaque qui amène ce but. Et pas de détails, hein. En conclusion, dans le face-à-face, la frappe puissante pour conclure. Le score qui est à présent de 5-0. Ça va être turco quand même. Modric, sa passe est interceptée. Oh, c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui.
Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Il va y avoir un remplacement. Ouais, bien tiré ce corner. Ça se tape le dessus sur ce corner. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. On retrouvera de la Liga Santander aujourd'hui avec cette rencontre. Levante affrontera la Real Sociedad à l'extérieur. Inutile de vous dire que c'est un rendez-vous qui sera suivi de très près par tous les amoureux du foot. Bon contrôle là, magnifique. Ouais, c'est propre ça. Vinicius Junior. Un ballon qui sort en touche. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui? Attention à l'éventuelle contre-attaque. La contre-attaque qui se poursuit. Ouais, pas très bien joué ce contre. Ça a été trop lent et l'adversaire a le ballon désormais. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Courtois, attention, il a repoussé, c'est pas fini. C'est le défenseur qui touche le ballon en dernier. Corner donc. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Pas de problème pour Thibaut Courtois. Ah, vous le voyez, ce match très intéressant qui vous sera proposé. Je vous laisse prendre note de l'horaire de coup d'envoi. On en a de la chance, hein. On va pouvoir assister tous ensemble à cette belle rencontre. Allez, le tir de Karim Benzema. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Attention à ce corner. Oh, génial! Quel arrêt génial! Le réflexe à bout portant. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Ah, il se pose pas de questions. Long dégagement. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Pas bon ce contrôle et le ballon est perdu. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Oh, super barré! On la voyait tous au fond, mais le gardien était là. On cherche le point de pénalty. Ouais, superbe l'arrêt! Magnifique à bout portant. Ah, il est bien parti ce corner. Ah, c'est une interception. Campagna. L'arbitre qui siffle à l'instant même. La fin de ce match.
Voici un joueur sur lequel le club compte énormément. Est-ce qu'il va redonner des couleurs à cette équipe? On devrait être fixé dès son premier match sous ses nouvelles couleurs. Salut à toutes et tous, ravi de vous accueillir depuis le stade Benito Villamarín à Séville. Alors vous avez peut-être reconnu ma voix. Je ne suis pas Brad Pitt, je suis Hervé Matou. Ce sont 90 minutes de foot espagnol qu'on va voir avec ce match de Liga Santander. Le Betis Séville face au Real Madrid. Fidèle poste, comme toujours, pour que le match soit bon. Kylian Mbappé va faire ses débuts dans cette équipe aujourd'hui. Le 11 de départ du Betis Séville pour ce match, le voici. Marc Bartra qui sera là en défense avec à ses côtés Victor Ruiz. Sergio Canales lui sera chargé d'animer l'entrejeu dans un rôle excentré avec Karim Bellarabi. Enfin, à noter la présence d'un seul attaquant en pointe aujourd'hui. Voici la composition du Real Madrid. Thibaut Courtois sera dans les buts. Nacho en défense avec Jesús Vallejo à côté de lui. Et devant, on va retrouver Kylian Mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti. On devrait voir comme d'habitude une équipe locale. Il se présente face au gardien. Tacle parfait. Ça pouvait faire but. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Nabil Fekir. Nabil Fekir, il a perdu le ballon sur cette passe. L'attaque est propre, les ballons toujours en jeu. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part, il a jailli. Et ouais, c'est pour le gardien.
Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Mauvaise relance. C'est une perte de balle pour le Real. Bonne lecture du joueur, du défenseur, bonne interception. Un ballon qui a été dévié et qui sort en touche. Alex Moreno. Karim Bellarabi. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ouais, touche suite à cette déviation. Nabil Fekir. Centre, il y a du monde. Et ce centre qui est capté par le gardien. Karim Bellarabi. Va-t-il parvenir à centrer ? Oh, il était bien placé ! Oh, quel dommage ! Le ballon qui sort, touche. Victor Ruiz. Ah, la bonne maîtrise du ballon. Ils vont sans doute chercher à piquer. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Un petit peu seul, Bellarabi sur le côté, alors il continue. Et le centre bien négocié par le gardien. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Peut-être une bonne opportunité, attention. Et c'est Thibaut Courtois qui remporte ce duel. Cherche le point de pénalty. Voilà le gardien qui fait du bien à sa défense hein, sur ce corner. Nabil Fekir. Allez, il y a de l'espace devant lui. Il aurait dû retarder son appel. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Nabil Fekir. Ballon bien négocié par le gardien. Nabil Fekir, il a perdu le ballon sur cette passe. Il s'est ouvert le chemin du but. Oh la barre, oh là là. Il y aura donc une minute de temps additionnel. Centre peut-être, aller. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas de but, 0-0. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti. Match qui reprend à l'instant, après une première période serrée vraiment entre les deux formations. Mbappé, intervention rugueuse, il a repris le ballon. Alerte son partenaire dans le dos. Incroyable, incroyable cette action. Arrêté tranquillement dans les buts. Il y avait franchement moyen de mieux faire. Ah, les supporters de Leeds ont vraiment le sourire. La signature de ce futur grand,
semble. Et il n'a plus qu'à la mettre au fond. Oh, la grosse occasion, très grosse occasion, mais sans regret, parce qu'il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, donc, mais cela dit, ça n'explique pas ce gros loupé quand même. Et ils sont à la récupération. Attention à la contre-attaque. Il va vite revenir défendre. Ah non, le ballon est perdu. Cette contre-attaque est terminée. On a atteint l'heure de jeu. Touche pas rien. L'entraîneur a décidé de faire un changement. Dani Ceballos. Esports vous propose de la Liga Santander à l'occasion de cette rencontre. Le Betis Séville affrontera Grenade à l'extérieur. Alors, il faut juste que vous trouviez le bon écran pour être là. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se laisser guider par le plaisir. C'est parti dans la surface. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Le contre qui se rapproche du but adverse. Rodriguez. Borja Iglesias. Allez, il peut y aller tout seul. Ah, il y a de quoi s'en vouloir, hein, ce face-à-face. C'était une vraie occasion de but. Mais dans les buts, on n'avait pas l'intention de se laisser faire. L'arbitre qui laisse l'avantage au Real. Kylian Mbappé. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Il va y avoir un remplacement. De Camavinga. Et ce ballon qui est récupéré. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Juanmi. Il était en bonne position, mais à l'arrivée, c'est une sortie de but. L'entraîneur qui va faire un changement. Qui va vous être proposé ce match à ne pas manquer. Et bien sûr, encore une fois, c'est sur notre chaîne que ça va se passer. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Allez, s'il marquait sur ce ballon, hein, ce serait le bon moment. C'est un ballon qui sort en sortie de but. Attention à ce ballon récupéré là, très haut. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Dani. Attention à la frappe. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt. Un plongeon exceptionnel. Allez, il faut bien le tirer, hein, ce corner. Ils peuvent marquer. Corner dégagé par la défense. Un danger qui se précise peut-être. Real qui va bénéficier d'un coup franc. Oh, la puissance, voilà, si vous voulez, la puissance sans la précision, c'est ça. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Nabil Fekir. Eh oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe.
Un ballon très important pour le Real Madrid. La fin du match. La fin du match. Et les deux équipes qui n'auront pas trouvé le chemin défilé aujourd'hui. Tiens, voilà un qu'on va suivre attentivement, bien sûr. Il est sur une impressionnante série de 3 buts en 3 matchs. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur eSports. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver ici à Madrid depuis le stade Santiago Bernabéu. Et c'est Hervé Matou qui va vous accompagner pour le meilleur et pour le pire. On va donc voir du foot espagnol aujourd'hui ensemble avec ce match de la Liga Santander. Le Real Madrid contre le Celta Vigo. Allez, ça va être sympa ce match, j'en suis sûr. La passe est coupée et bien défendue. Ouais, bon ballon pour Eden Hazard. Oh, but du Real!
C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Ah, c'est une grosse occasion, hein, grosse occasion de faire le break sur cette action. Intervention parfaite, hein, bonne anticipation. L'arbitre qui a décidé de garder ses cartons pour le moment. C'est joué à deux. Non, ça n'ira pas plus loin. Très bonne interception défensive. Oh, personne ne peut l'arrêter, il est passé. Et ça fait but. Et le but dont il rêvait certainement. Ah, quoi qu'il arrive dans cette rencontre, on pourra parler de début réussi pour lui. Kylian Mbappé, ouais, il repousse, ça joue. Allez, on peut dire que ça a été chaud, hein, pour la défense. Là, il fallait intervenir urgentement. Se passe avec du monde pour reprendre ce centre. Un ballon facile, cette tête qui n'était pas suffisamment dangereuse. Denis Suarez, allez la voler peut-être, et le but, et au final le but qui va être refusé. A priori une position de hors-jeu au départ de l'action. Très difficile à juger à vitesse réelle. On va voir ça. Alors je vais signaler sur cette action. Mauvais placement par rapport à la défense. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire, hein, qui récupère. Il ne donnera rien du tout, ce centre, à part une sortie de but. C'est une perte de balle pour le Real. Iago Aspas. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Très mal donné, hein, ce ballon. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Et le gardien qui dégage ce ballon. Quoi se passe? Ah non, le ballon est perdu. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, bien coupé là par le défenseur. Ouais, lumineuse cette passe. Ouais, il y a hors-jeu sur ce ballon en profondeur. C'était bien vu. L'appel était impeccable. Mais la passe a manqué d'un petit temps avant d'être déclenchée. Kylian Mbappé. Ah oui, magnifique la parade du gardien. Oh, c'est dégagé ce ballon. Il donne un petit peu d'air à sa défense. Le ballon qui file en touche. Et l'arbitre a décompté une minute de temps additionnel seulement. Voilà, la fin des 45 premières minutes, le score qui est de 1 partout. Ce sont les joueurs de Real Madrid qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Il intercepte. Oh, il a perdu le ballon, attention! Le drapeau se lever, et ouais, hors-jeu signalé. Ballon donné un petit peu trop tôt, à mon avis. Ouais, bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. Le joueur du Real qui commet une faute.
Manchester United qui a raflé la mise en réussissant à s'attacher les services de ce jeune joueur. C'est une recrue de qualité, c'est un bon joueur. Ça. Ouais, le gardien qui s'en sort bien. Il y a quoi, se passe. Ballon rendu à l'adversaire. Ouais, bel exploit individuel, attention à lui. Oh, le but. Oh, il mène à la marque maintenant. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Ah oui, il peut poursuivre son action. Oh, il était temps d'intervenir là. On peut revenir au score peut-être. Le ballon qui ne trouvera personne dans la surface. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Vous savez qu'il y a un autre rendez-vous très 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 intéressant, très attendu tout à l'heure, à suivre avec nous également. Ça sera à ne pas manquer hein, cette rencontre. J'aurai un grand plaisir à vous la commenter. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Hazard, ça peut faire but. Incroyable cette action. Arrêté tranquillement dans les buts. Il y avait franchement moyen de mieux faire. Ouais, c'est bien fait, il prend le dessus sur son adversaire. Ah, il y a de quoi s'en vouloir, hein, ce face à... Ouais, le pénalty qui est accordé par l'arbitre et qui va permettre à l'adversaire d'avoir une balle d'égalisation. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Oh, c'est pas croyable, oh non. Ah, décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Il est le premier sur cette passe. Oui, il a pris le dessus, Kylian Mbappé. Oh, le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de corner. Après tout, pourquoi pas? Oh, le Real qui marque! Et 3 buts à 2 au score. Quel match! C'est finalement un ballon perdu. Avec un tir, le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Bon, il y a le coup d'envoi de ce match, on suivra également ensemble. Grand rendez-vous. Ah, c'est un choc, on a vraiment hâte qu'il commence. Ce sera plus très long, c'est pour bientôt. Bravo. Plongeon magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Le corner en direction du point de pénalty. Et ce centre qui est capté par le gardien. Allez, sans doute la dernière opportunité, il ne faut pas la rater. Oh, elle est parfaite. Parfaite cette sortie. Ballon subtilisé dans les pieds de l'adversaire. Beaucoup de courage. Encore 6 minutes à jouer avant cette rencontre. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ce ballon qui est intercepté. Kylian Mbappé. On prend sa chance. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. Au revoir, le but. C'est son troisième aujourd'hui. Inarrêtable. Il mène à présent 4 buts à 2. On a vraiment droit à du spectacle. La dernière minute du temps réglementaire. Ah, le ballon qui lui échappe.
L'arbitre qui siffle à l'instant même. La fin de ce match remporté par... La tension qui monte ici car ces deux équipes s'apprêtent à faire leur début dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Allez, on reprend notre souffle et on revient tout de suite pour le match ici à San Siro.
Salut tout le monde, c'est dans d'excellentes conditions que va se dérouler cette partie ici à Milan, à San Siro. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hervé Matou, je dois commenter ce match. J'espère que vous allez être bons. Au programme aujourd'hui de l'UEFA Champions League avec ce match de groupe, l'Inter de Milan face au Real Madrid. C'est dans ces phases de groupe que se dégagent déjà les favoris, ceux qui feront la course en tête et qui pourront assez vite se projeter sur le reste de la compétition. Directement dans les bras de Thibaut Courtois. Inter qui perd ce ballon. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Ah, le ballon qui va sortir du terrain. Assez bête hein, de perdre le ballon comme ça par manque de maîtrise. Ouais, il a gagné son duel, attention. Toni Kroos. Il a gagné son duel dans la surface. Pas grand monde pour gêner l'Inter hein, sur le côté. Ça centre à la destination de ses partenaires. Le centre était dangereux, mais c'est finalement sans conséquence. Le centre au premier poteau. Ah, le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Tacle. Un ballon perdu par Modric. Hazard. Peut-être un centre à venir. Et la bonne intervention du gardien. Encore une mauvaise passe côté madrilène. La passe de Toni Kroos interceptée. Ballon qui est sorti en touche. Un ballon récupéré par l'adversaire. Çalhanoğlu. Ah, c'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. Les joueurs de l'Inter qui vont essayer de mettre la pression. Oui, le centre peut-être. Dzeko. Oh la barre, attention, c'est pas fini. Quelle volée. Vraiment, il passe pas loin. Hein. Passe pas loin du stade. Qui rend le ballon à l'adversaire. Un mauvais contrôle qui lui fait perdre le ballon. Un vilaine passe directement à l'adversaire. Ah, le bon ballon de Benzema. Toni Kroos qui ouvre donc le score dans cette rencontre. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Torgan Hazard. Hazard. Il peut centrer. Encore toi qui, bien sûr, ne se laissera pas surprendre. C'est une option disponible. Et ce centre sans problème pour le gardien. Équipe visiteuse qui court après le ballon hein, dans l'ensemble. On n'a pas empêché cette équipe de se montrer réaliste. Elle a l'air de vouloir faire bloc maintenant et de laisser l'adversaire prendre les initiatives. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Il a fait une bonne première période. Bon match pour l'instant. Le fait marquant de sa première période, c'est bien sûr ce but qu'il marque, qui permet à son équipe de rentrer à la pause avec de l'avance. On verra s'il creuse l'écart en seconde période.
Dzeko. Oh la barre, attention, c'est pas fini. Le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Interception sur cette passe de Marcelo. Ça presse haut, attention à ce ballon. Ouais, drôle de perte de balle de Karim Benzema qui rend ce ballon à l'adversaire sans le vouloir. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Oh, il y a du monde pour reprendre. On fait dégagement là, attention. Çalhanoğlu. Ouais, l'attaque enrayée. Ils étaient nombreux, les clubs sur les rangs. Mais le jeune joueur s'est donc mis d'accord avec. Ah, il aurait dû retarder son appel. Stéphane Devrier pour l'interception. Oh, le numéro qu'il nous fait et ça va être dangereux. Oh, le gardien est battu. But de l'Inter. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Interception sur cette passe de Marcelo. Dans ce moment de l'Inter, c'est assez agréable. L'intervention du gardien, ce n'était pas facile. Edin Dzeko. Ah, il perd ce ballon. On aura un rendez-vous avec du championnat d'Espagne pour cette rencontre. Le Real Madrid affrontera Valence à l'extérieur. C'est pas la peine de le vendre ce match, il se vend tout seul en fait, tellement il fait envie. Il avait vu venir. Et cette faute qui donne un coup franc dangereux. Et là, un remplacement. Oh, super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Ouais, la bonne lecture. De Stéphane Devrier qui a récupéré. Passe interceptée par Skriniar. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Il prend sa chance. Handanovic est sur ce ballon. Reprise magnifique. Magnifique but. Une reprise parfaitement exécutée. Pas de réussite parce qu'il y a un premier arrêt qui est pas mal, mais ça n'a pas assez suivi défensivement. Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse. La mission, elle est simple, hein, aider ses partenaires à tenir le résultat. C'est ce qu'il semblait, hein, la position du ballon, eh bien, du côté de l'équipe locale. On voit mal, hein, comment cette équipe pourrait revenir au score si elle ne bouscule pas un petit peu plus la défense adverse. Il y a une vraie difficulté à se montrer dangereux. Tacle. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ça s'est plutôt bien passé défensivement jusqu'à présent, malgré le but encaissé. Ce score de 2 buts à 1 suffirait à leur bonheur, c'est sûr. Inter qui perd ce ballon. Allez, faut qu'il tienne encore 5 minutes. 5 minutes avec ce petit but d'avance. La
la frappe qui passe à côté sans trop de problèmes, il fallait avoir l'œil. Mais la trajectoire a été bien jugée. Attention, il est tout seul. Ouais, bien joué, c'est pas terminé, attention. Le public a l'air d'y croire encore. Pourtant, son équipe a bien failli encaisser encore un but, un de plus, qui aurait certainement été le but de trop. Oh, quel tacle, quel tacle. Attention à la couleur du carton. L'arbitre qui s'approche et qui va sortir le rouge. Le rouge. Un élément au moins dans la ligne d'attaque. Alexis Sanchez. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Ouais, ça peut faire mal ça. Et oui, il y est. Oh oui, le but. Oh, l'égalisation en fin de match alors qu'ils étaient à 10. Énorme exploit. La fin du match ici et le Real qui va entamer cette énième campagne de Ligue des Champions. Oh, c'est certainement la rencontre la plus attendue depuis un bon moment qui va se jouer dans un stade comble. Allez, je vous dis à tout de suite pour le début du match ici à Mestalla. Salut à toutes et tous, heureux de vous accueillir ici à Mestalla. Je suis vraiment ravi, bien sûr, de suivre ce match avec vous. C'est Arnaud Latour, je suis au micro. On va donc voir du foot espagnol aujourd'hui ensemble avec ce match de la Liga Santander. Valence contre le Real Madrid. Allez, ça va être sympa ce match, j'en suis sûr. L'arbitre obligé d'intervenir sur ce geste pas maîtrisé du tout. Ouais, c'est un carton jaune. L'arbitre qui veut déjà montrer qu'il ne tolérera aucun débordement. Ouais, sans problème. Sans problème pour le gardien. Carlos Soler. Bernardeschi. C'est parti dans la surface.
Et non, ça va s'arrêter là. Et il dégage. Les joueurs du FC Valence qui vont tenter de créer le danger. Et la voilà la frappe. Ouais, il repousse, ça joue. Ouais, le but, oh, qu'elle est belle! Quelle reprise! Techniquement, c'est parfait, magnifique! Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ballon a perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Ballon qui est donné en profondeur. Incroyable! L'arrêt à bout portant de Thibaut Courtois. Ouais, cette blessure qui va forcer l'entraîneur du Real à procéder à un changement. Donc, le ballon qui arrive au point de pénalty. Dégagé par la défense. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Attention. Et elle est au fond. Ça fait maintenant du bout des gars. Un 2-0 au tableau d'affichage. Ah, il a bien ressenti le coup, c'est intercepté. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Ouais, il a bien repris in extremis. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Gaïa. S'il avance vers le pied. Ah, la belle occasion. Qui ne donnera rien. C'est une sortie de but. De loin. Ah, c'est l'équipe locale hein, qui monopolise un petit peu le ballon. L'équipe qui donne l'impression de pouvoir marquer encore, comme elle l'a déjà fait aujourd'hui. On ne voit pas comment la victoire pourrait leur échapper. Luka Modric. Le Real Madrid qui s'approche du but. Dans la surface, il y a du monde. Tranquillement hein, pour le gardien, ce centre. Belle prise de balle. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Krajovic. Non, l'action n'ira pas plus loin. Il y a hors-jeu. Gonzalo Guedes. C'est donné en profondeur. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Ouais, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud là. Ouais, les joueurs qui obtiennent ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le ballon, avec un bon pressing. Gonzalo Guedes. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Cherche le point de pénalty. Cette tête qui ne va rien donner. Ah, c'est bien défendu, hein, surtout. LFC Valence qui va pouvoir avancer. Car il n'y a personne hein, sur les côtés. Pas de problème pour Thibaut Courtois. Une minute de temps additionnel. Maximiliano Gomez. Un peu de repos pour tout le monde, c'est la mi-temps. Donc voilà. Au coup d'envoi de la seconde période avec pour l'instant donc ce score défavorable au Real Madrid. Ah, la récupération est peut-être une action dangereuse. Ouais, écoute, s'il fait de l'arbitre, il y a hors jeu.
Il était bien placé pour intercepter cette passe. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Frappe, elle est bien partie cette balle, mais c'est trop haut. eSports vous propose de la Liga Santander à l'occasion de cette rencontre. L'FC Valon, il peut le mettre. But pour l'FC Valon. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Nikolajevic en profondeur, bien joué. Oh, le ballon qui s'écrase sur la barre. Oh là là, de justesse, il a repris le ballon. Attention à ce ballon récupéré là, très haut. Avantage pour le Real Madrid, ça joue. Ah, le ballon qui sort. Ah, c'est pas bien joué ça. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Kanovic. C'est perdu ce ballon par Jovic. On a atteint l'heure de jeu. Et le bon ballon par Jovic. Ouais, la tentative lointaine. La puissance y était, mais pas la précision. C'est ce match très intéressant qui vous sera proposé. Je vous laisse prendre note de l'horaire du coup d'envoi. On devrait vraiment assister à un spectacle de grande qualité entre ces deux équipes. Rendu à l'adversaire par les madrilènes. Bernardeschi. Carlos Soler en retrait pour un coéquipier. La bonne anticipation de Courtois. Carlos Soler, le gardien qui repousse. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Avec un tir. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt, la belle intervention, magnifique. Il cherche le point de pénalty. Le dégagement mal fait. Un geste plein de calme, de maîtrise. Kajovic. Après cette petite phase de possession, il perd finalement le ballon. Modric qui laisse son défenseur sur place, bien joué. Ah oui, magnifique la parade du gardien. Ah, il est bien parti ce corner. Et le gardien qui remporte son duel. Kajovic. Ouais, très très beau geste défensif. Le défenseur se fait bousculer. Ça part dans le paquet. Oh, mauvaise relance. Ouais, il rassure toute son équipe avec ce tacle. Il protège son ballon. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Les joueurs qui tardent un petit peu à revenir. Ouais, on a cru qu'il pouvait marquer, mais c'est une sortie de but au final. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Allez, il peut y aller tout seul. Il a démarré un petit peu vite. Carlos Soler. Et c'est perdu. Et c'est perdu ce ballon par Jovic. Oh là là, hors-jeu, le drapeau qui s'est levé. Pas facile de juger, mais ça a dû se jouer à pas grand-chose. Encore une mauvaise passe, côté madrilène. Et là, c'est Valence qui va pouvoir avancer, car il n'y a personne sur les côtés. Le ballon qui sort, ça sera donc une sortie de but. L'arbitre qui siffle la fin de ce match, et donc...